frappé le rocher et Kajailo donné par l'Éternel. Ce fut grâce à sa foi, ce fut grâce à sa foi. Quand David a joué de la lyre avec son cœur rempli de joie. Pour louer l'Éternel, ce fut grâce à sa foi. Quand Job a perdu son bétail qui couvrait les montagnes et une quantité de richesses incalculables et quand son corps s'est couvert d'ulcères malins, ce fut grâce à sa foi. Quand il a pu entendre la voix de l'Éternel et voir la gloire de l'Éternel, ce fut grâce à sa foi. Que Pierre puisse suivre Jésus-Christ, qu'il puisse être cloué sur la croix pour Dieu et donner un témoignage glorieux. Ce fut aussi grâce à sa foi. Quand Jean a vu l'image glorieuse du Fils de l'homme, ce fut grâce à sa foi. Quand il a vu la vision des derniers jours, ce fut d'autant plus grâce à sa foi. De Dieu. Ils sont parvenus à savoir que Dieu est revenu dans la chair pour faire son œuvre parmi les hommes. C'est aussi grâce à leur foi, c'est aussi grâce à leur foi. Tous ceux qui sont frappés par les paroles sévères de Dieu et en s'en ayant moins réconfortés sont sauvés. N'est-ce pas grâce à leur foi. Tous ceux qui sont frappés par les paroles sévères de Dieu et en s'en ayant moins réconfortés sont sauvés. N'est-ce pas grâce à leur foi? N'est-ce pas grâce à leur foi?